Bonjour, ma belle gang de coquins. Donc, écoutez, on va pas le tourner de mille façons. Je vais être extrêmement transparent et honnête avec vous dans ce vlog. Vous pouvez voir, Simon est là. Dis bonjour, Simon. Bonjour Simon. Il a quand même dit ce qu'il fallait. Écoutez, moi et Simon, ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi. J'ai un mélange de Red Bull et de pilules de caféine dans le corps. On a vraiment essayé, on a vraiment poussé, on a vraiment tout fait. Et on peut pas sortir le jeu aujourd'hui, ou même cette fin de semaine. Et je vais vous donner les raisons pourquoi, parce qu'on veut être honnête avec vous. Raison numéro 1, Apple. Je vous explique. Sur Android, quand on met une application, on peut juste la mettre dans le système en ligne. Google, c'est tous des algorithmes qui l'analysent, mais c'est tout. Et ensuite, on peut le mettre comme ça dans le magasin et vous pouvez le télécharger. Apple, c'est des humains, c'est des gens sur un bureau qui reçoivent l'application, qui l'installent, qui l'essayent, qui le testent et qui disent si oui ou non c'est approuvé. En moyenne, ça prend 2 jours pour qu'ils puissent faire les vérifications des applications. Nous, on a la chance avec Apple, on va leur donner d'avoir une vérification qui est accélérée, mais on n'a aucune preuve à quelle vitesse ils peuvent le faire. Pire encore, du 23 au 27 décembre, ils sont en vacances. Donc ça veut dire que même si maintenant, on est le 22, il est 11h35, même si maintenant, on se grouille les fesses et on essaie de le faire, on n'a aucune certitude que Apple va l'approuver à temps. Il faudra peut-être attendre jusqu'au 27 avant peut-être que ça sorte. Donc, on est en train de courir notre vie pour essayer de faire l'application, pour respecter les deadlines d'Apple. Et on n'a même pas une preuve si ça va fonctionner ou non. Donc, on est en train juste de courir comme de façon très incertaine. Le problème numéro 2, on va être honnête avec vous, les revenus publicitaires sont très élevés avant Noël et autour du jour de Noël. Là, j'ai une crampe de pied vraiment intense. Mon corps est un peu brisé en ce moment. Oui, les revenus publicitaires sont beaucoup plus élevés autour du jour de Noël. Et c'est bien pour nous parce que, un, ça nous fait beaucoup plus d'argent, ce qui est comme excellent parce qu'on veut pouvoir faire Super Fudge Arcade temps plein. On veut faire des jeux. 2019, on veut vraiment entrer, moi et Simon, et faire des jeux, faire des tonnes de mises à jour, des tonnes de saisons. Et vraiment comme se lancer là-dedans de façon sérieuse. Super Fudge, l'année passée, c'était le fun, mais c'était pas comme un jeu mobile dédié, c'était plus un truc le fun qu'on vous a fait. Et c'est un peu poche de faire ça, dans le fond, quand un, c'est on peut pas vivre de ça, et deux, on a juste comme pas la fondation et la structure pour pouvoir développer le jeu. Donc les revenus publicitaires beaucoup plus élevés justement du 22, le 23, le 24, le 25, c'est quelque chose qui nous aurait aidé beaucoup. C'est quand même des grosses sommes d'argent et ça pouvait nous donner la stabilité de mieux travailler dessus. Mais il n'y a aucun montant d'argent qui peut justifier de vous donner quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut. C'est très facile d'avoir des projets qui sont accélérés. C'est très facile de voir des gens qui lancent des projets et vous le voyez et vous le filez que c'est lancé pour l'argent. C'est lancé comme tout croche, juste pour être dans les bons temps parfaits. Nous, on veut pas ça. Et on n'est pas assez satisfait de la version de Super Fudge Arcade qu'on a en ce moment pour vous le donner. Donc, même si tout est aligné au niveau d'Apple, même si on travaille encore plus comme des fous maintenant, puis qu'on se fait on atteint le 36 heures sans sommeil, on n'aura pas assez d'heures et de travail pour vraiment être satisfait comme qu'on le veut, puis de vous donner cette version-là. Oui, les profits seront bons. Oui, d'un côté, on le sait que vous allez jouer, vous allez l'adorer, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment vous donner un jeu qui est exceptionnel. On veut vraiment vous donner quelque chose qui va être comme débile. Et même si on se donne une semaine de plus, il sera quand même pas à la hauteur de ce qu'on veut. Mais des fois, il faut savoir comme dire, OK, c'est correct, vous allez avoir du fun, puis on peut le patcher, on peut le mettre à jour. Parce que si on le sort, exemple, aujourd'hui, et il y a un bug majeur, on doit attendre jusqu'au 27 avant de faire une mise à jour. Donc, ce serait catastrophique si on vous donne un jeu qui n'a pas été assez testé, qui n'est pas déjà de base à notre hauteur, à la hauteur de ce qu'on veut, qui a des problèmes, et là, ben, on ne peut pas faire de mise à jour pour tous vous qui a des iPhones. Je teste les iPhones, les iPads, vous le savez, mais quand même, je veux que vous aimiez notre jeu, t'sais, ça reste la réalité.
Donc ça, c'est le point 2. Et le point 3, c'est le point qui est beaucoup plus simple, ben juste notre santé. Notre santé mentale et physique ne va pas très bien en ce moment. On a vraiment tout accéléré, on a vraiment poussé le plus qu'on pouvait, mais on a comme vraiment atteint des limites, puis on a eu des challenges techniques assez chiants dans le chemin qui nous ont vraiment ralenti. Et on veut juste vraiment pas vous donner de la merde. Au bout de la ligne, c'est ça. On veut juste pas comme vous donner quelque chose qui est pas bon. Donc le jeu sera pas disponible cette fin de semaine. Je veux pas do donner d'autres dates parce que ça fait 2 semaines qu'on le repousse. On vise la semaine prochaine. On vise que ça sort la semaine prochaine. Mais notre cadeau de Noël pour vous, c'est de vous faire justement un beau produit. Et c'est pas ce qu'on a en ce moment. Simon, as-tu quelque chose à rajouter à ça? T'es muté en ce moment? Bonjour, je m'appelle Simon. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? C'est, tu sais, Super Fudge, c'est un jeu de très haute qualité, mais Super Fudge Arcade, c'est un jeu qui a beaucoup de. Tu sais, on a rajouté le cloud, on a rajouté les multi-devices. Ça fonctionne bien, mais ça n'a pas été battle-tested. Fait que, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire en ce moment, c'est de prendre une semaine pour torturer notre jeu. Pour être sûr que quand ça tombe dans vos mains, ben, ça soit solide. Le jeu, il est fini, il est juste pas battle-tested. Battle tested, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est. Battle-tested. Oh, je m'entends écho. Juste baisser le volume. Mais battle tested, c'est. Ça veut dire dans le fond comme. Hey, le jeu est fini! Et on vous le donne et on n'a aucune idée si aussitôt qu'il y a 10 joueurs qui jouent en même temps et qui fait quelque chose, ça plante. Aussitôt que vous le connectez sur votre iPad et vous le connectez sur votre téléphone, ben les deux se synchronisent pas bien, vous perdez vos choses. Faut qu'on teste ces choses-là. Et même si on le finit là. On n'a rien pour le tester. Donc, c'est pas mal la décision qu'on a prise. Comme vous le savez, on veut être le plus transparent avec vous. Puis c'est pas juste avec le jeu. Vous savez, moi et Catherine, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On a toujours été le plus transparent possible avec vous. Et j'espère qu'on vous a pas déçu. Pour vrai, je veux juste vous dire qu'on est vraiment désolé. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendiez impatiemment ce jeu-là. Peut-être beaucoup d'entre vous que vous venez d'être en vacances en ce moment. Vous étiez prêts, vous aviez hâte d'avoir un nouveau jeu, puis là on vient de scraper votre fun et de pas vous donner le jeu qu'on vous a promis. Je veux vraiment sincèrement m'excuser par rapport à ça de la part de Simon, moi et Catherine, et Cyril et Michel et tout le monde qui travaille sur ce jeu-là en ce moment. Mais on veut vraiment vous donner quelque chose qui va être bien. Et surtout, le plus important, c'est même pas le jeu qu'on va vous donner qui est Super Fudge Arcade. C'est qu'est-ce qui va sortir par-dessus ça le mois d'après, les 3 mois d'après, l'année d'après. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je pense que tout a été dit. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Joyeux Noël à vous, hein? Ça reste quand même ça. Si je suis pas toute là, vous m'excuserez. Comme je vous dis, ça fait environ 2 semaines qu'on a un 3-4 heures de sommeil. Et qu'on est sur des choses énergisantes pas très très bon pour nous. Ne faites pas ça à la maison, ok? Simon et moi, on vient d'un environnement, moi avec Collab, lui avec son ancien studio, où est-ce qu'on est habitué dans ce genre de pression puis de deadline et de mode de vie. Donc ne vous lancez pas, vous n'avez pas besoin de faire ça pour faire un projet. Nous, on a juste l'expérience de travailler dans des conditions de merde, à faire des choses vraiment comme stupidement avancées pour rien. Mais joyeux Noël à vous. On veut pas vous décevoir. J'insiste là-dessus. On est vraiment désolé. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez suivre sur Instagram pour de vrai Play Super Fudge. Toute l'information va être là. Quand ça va être prêt, on va vous le dire. On vise la semaine prochaine. Je veux pas me tirer dans le pied puis encore donner une date. Théoriquement, on est encore en train de débattre est-ce qu'on finit le jeu là et on l'envoie. Donc, tu sais, se donner une semaine de plus, on devrait être capable. Mais encore là, je veux pas vous mentir parce que ce serait juste poche. Et vous voyez, même pas de coupure là-dedans. Je vous parle one shot au complet. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. On veut juste vraiment être transparent avec vous et de la réalité. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour moi. Alors, Simon, dernière chose à rajouter?
T'es sur mute. Ah, ça arrête pas d'arriver, excuse-moi. Ah, pas Non, trop. j'ai dit que non, je pense que tout est dit. Puis, je pense que notre 24 heures en ligne, on va juste aller dormir un petit peu. Au moins, on a tellement bien avancé que on est capable justement de faire quelque chose d'encore mieux. Hein? On a avancé le jeu, donc ça va être mieux dans une semaine. Catherine, as-tu quelque chose à rajouter avant la fin de ce vlog? C'est vraiment comme je pense le vlog avec le moins de montage et le plus comme direct qu'on vous a fait ever. Mais c'est juste, c'est le temps des fêtes. On se sent vraiment mal. On a travaillé comme des fous. Puis on veut juste pas vous décevoir. Donc c'est vraiment notre cadeau pour vous. Mais je pense que c'est ça le truc, c'est que et en plus avec la fenêtre à contre-jour C'est-tu derrière, pas c'est magnifique? vraiment comme le C'est vlog la le qualité plus. de production totale. Ouais. Mais non, pour vrai, t'sais, honnêtement, on est déçus. Puis t'sais, je veux dire, moi je dis on, mais je m'inclus pas tant là-dedans parce que j'ai juste testé le jeu, t'sais, puis j'ai donné des petits avis ici et là. Mais comme on espère vraiment que vous allez comprendre la situation poche dans laquelle on est en ce moment. T'sais, on trouve ça plate de vous décevoir. Mais d'un autre côté, c'est contre notre éthique de travail de faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vais très rapidement faire une petite vidéo mignonne pour mettre sur l'Instagram qui fait comme un petit fudge qui est triste avec des bugs devant sa face ou quelque chose. Soyez beaux, soyez coquins, joyeux temps des fêtes, profitez-en, relaxez. Hein? Je sais que c'est ironique que c'est nous qui vous dites ça, mais relaxez. Prenez la peine d'apprendre quelque chose de nouveau, d'essayer quelque chose ou de juste vous amuser. Et je vous aime. À la prochaine.